Innoclair existe depuis 2014. Nous sommes une entreprise qui fabrique des microstations d'assainissement. Le principe de la station, c'est que l'eau usée arrive dans un bassin, est transvasée dans un deuxième bassin, qui est le clarificateur, pour en ressortir une eau claire et sans odeur. Nous avons besoin d'un coffret électrique dans nos stations pour gérer le bon fonctionnement des différents appareils électromécaniques. Lors des dernières pénuries, nous avons eu des problèmes d'approvisionnement, notamment les automates qui sont fournis par Crouzet. Yes Electric nous a beaucoup aidés dans la recherche d'un nouveau fournisseur ainsi qu'un câbleur qui puisse câbler nos coffrets électriques ainsi que refaire la programmation des nouveaux coffrets, ce qui nous a permis d'avoir de la marchandise en continu et de ne pas stopper nos productions. Nous recevons les coffrets électriques déjà câblés sur le site de production à Lorient. Nous les intégrons dans le couvercle avec tous les autres accessoires qui permettent la mise en route d'une microstation. Donc la composition du coffret, effectivement, donc c'est trois disjoncteurs de protection, compresseur, pompe et protection du général. Et donc on va dire le cœur du produit, donc du coffret, c'est le module logique Lovato. Hein. C'est ce produit-là qu'on a proposé en remplacement du module Crouzet. Les bornes de câblage et également donc le buseur, l'avertisseur sonore qui permet donc d'envoyer le signal de défaut au client final. On travaillait depuis de longues dates avec Innoclair sur leur coffret. On n'avait pas le marché du micro-module, on avait le marché du coffret, des disjoncteurs, des presetoupes et du buzzer. Et au moment des ruptures de stock sur les produits après donc, le Covid avec Yes Industry, on a réussi à venir démarcher Innoclair avec la marque Lovato et d'intégrer le produit. Donc Crouzet a un langage précis sur leur module. Il a fallu réadapter le programme du client, le transformer en langage Lovato et le réinjecter dans le micro-module, faire quelques essais pour que le fonctionnement soit à l'identique de celui de Crouzet. La programmation s'est faite en bipartie. Franck Poirier, mon électricien, connaît très bien donc, la programmation, l'automatisme. Donc il a créé 90% de la programmation et avec quelques éléments que Gérard Grisset lui a donc fournis sur donc la programmation du Lovato. La société Innoclair est constamment en innovation, notamment sur les postes de relevage où Yes Electric est en train de nous accompagner pour le développement de nouvelles alarmes qui répondront un peu plus aux critères de nos usagers. Un remerciement spécial pour Innoclair qui nous fait confiance depuis 2014 sur la création de leur coffret. Un remerciement également à Franck Poirier, l'électricien, qui, grâce à lui, nous a fait basculer de Crouzet à Lovato. Et un remerciement également à Yes Industry du partenariat qu'on a ensemble avec Lovato, entre autres, sur ce dossier. Yes Industry commence à s'étoffer depuis quelques années, donc on travaille avec de plus en plus de marques. Et grâce à ça, on arrive à se développer sur le secteur industriel et merci à eux.